c'est sérieux. Sérieux. Photo. Ça roule. Bah normal. C'est une pleine gueule devant moi là. Non, sérieux. Ducati Corse. Oh, il y a une belle voiture devant aussi là. Oh, c'est frais. Oh, j'ai un beau shot là. Oh putain, entre la Panigale et... Waouh. Bon, j'aime les deux tout autant. Même le rouge. Posey. Putain, vous avez la place juste là pour se garer. Ça c'est le truc qui me bute. Bon alors, quand t'as pas de place, que tu transportes des choses lourdes et tout, ouais normal, dis, tu fais ça un peu à l'arrache, ok, tu t'arrêtes, on double fil. Mais là, t'as une place à 20 mètres. C'est même pas genre une place à 50 mètres quoi. C'est là, à 3 mètres de toi. Il y a des trucs qui me dépassent. Ça c'est un ancien hôtel particulier. Magnifique. Construite en général pour les familles aisées. Les grandes familles qui se réunissaient. Et au fil du temps vendues, divisées en appartements et vendues à des particuliers. Eh ben vas-y là, qu'est-ce que tu fais putain. Sérieux. Ça me met toujours le smile. Voilà. Le vélo. Les trottinettes. Un gars en super soco qui fait un V. Ah, j'apprécie. Franchement, j'apprécie l'effort. Ça fait plaisir. C'est vrai, t'es sur une moto en fait. Hein. Donc, moi, je dénigre pas l'électrique. Je suis pas forcément fan, je vous avoue. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. On y arrivera, sûrement. On n'aura pas le choix, de toute façon. Après, je me dis qu'il y a aussi le combat avec l'hydrogène. Hein. Moi, je pense que le futur, c'est effectivement l'hydrogène et l'électricité, quoi. Ça aussi, c'est un magnifique bâtiment haussmannien. Waouh. Ça, ils ont mis des balcons partout, ils ont fait vas-y, on l'a fait à la bourge. Ah, là, ça va être chaud. Aïe aïe aïe, hop hop. Bon, là c'est mort. Hein. C'est mort. Cool. Oh le petit Lotus. Oh comment il doit galérer avec les pavés parisiens lui. Oh putain. Avec des suspensions sport et tout. Ça doit être chaud. Ici, il y a pas mal de monde qui m'ont posé la question pourquoi j'avais tourné à droite dans ma précédente vidéo où j'ai failli me faire rentrer dedans. Enfin, l'autre conducteur était en train d'éviter un vélo sur sa droite et moi j'ai arrivé sur sa gauche. Il y a une petite flèche orange qui commence à clignoter lorsque nous avons le droit de tourner à droite, même si le feu est rouge. Donc voilà, vous savez tout. C'est gentil. C'est gentil. Je vais peut-être pas la priorité à droite de la police. On va la respecter quand même. On déconne pas.
Et là, je ferme ma gueule. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, non, mais te demande pas pourquoi il gueule. Tu mets pas ton clignotant, tu sais pas ce que tu fais. Regarde tes pneus, ils sont. Tes pneus sont à plat. Écoute, gros, je sais pas, quand t'additionnes les informations, au bout d'un moment. Voilà, là, là, là. Allez, là, c'est bon. Je peux pas passer. Bien aigri le feu rouge. Des fois j'en ai marre d'être gentil, tu sais, genre t'es quoi, t'es là à faire, tu le vois le truc venir à trois plombes. Ah putain, un scooter qui s'est fait rentrer dedans sûrement. Ah là 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 là. Putain, lui qui veut prendre. Qu'est-ce que tu fais, mec? Il est dans son monde, là, il conduit à une main, t'arrives pas à conduire, mets tes deux mains au moins. Faire un effort. Je sais pas quoi. Oh putain, il va se foutre. Oh putain, il a fou. Qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi. Nous sommes face à de magnifiques bâtiments haussmanniens. Là, vraiment, c'est la grosse place. Oh, la hauteur sous plafond. C'est tombé. Ah bah dis donc, il n'est pas encore sûr de sa GS lui. Il n'est pas encore très sûr de la largeur de sa moto. Putain, mais t'es méga large, mais pourquoi t'es obligé de faire tout ça pour... Oh là là. Bon, ça passe, allez hop, là, tac, tic, décalé, hop, check. Nous sommes le 15 août je crois. Ouais c'est ça, le 14 ou le 15. Tant gars. Y a personne en Paname quoi. Là c'est la meilleure période de l'année pour vivre à Paris. C'est pendant les grandes vacances. Ils ont foutu un feu là. Ils ont mis un feu juste après le rond-point. Mais laisse tomber, tout le monde va être bloqué dans le rond-point. Les gars, je vous dis à la rentrée, je prends ce shot et après je mettrai le shot à la rentrée de comment ça va, ce que ça va donner. Y a rien de plus con. Tout le monde va se retrouver en train de bloquer sur le rond-point. Et, les gens ne pourront plus rentrer dans le rond-point non plus. Ah c'est vraiment, mais en 2021, avoir des gens qui bossent dans l'urbanisme, hein, et n'avoir toujours pas compris ça, alors là je dois avouer que... Ça me laisse perplexe. Oh il me fait peur le chien. Ça doit avoir plus de 80 ans ça. Sans médisance aucune. Je pense qu'à partir de 70 ans, 75 ans, il faudrait repasser le permis un peu tous les ans quoi. Du moins avoir une sorte d'évaluation. On nous fait bien passer une passerelle nous, au bout de 2 ans. Bah, faut peut-être trouver un peu la même chose pour les personnes âgées qui clairement voient plus grand chose, calculent plus grand chose. Là, je suis persuadé qu'elle ne m'avait pas vu. La voiture aurait été un peu plus grande, elle aurait pris toute la place pour faire un créneau. Laisse tomber quoi. Vous mettez la GoPro. Haussmann Rider, okay. Sur internet, sur YouTube. Et puis à l'occasion, si on rentre dedans, j'ai une preuve. Ouais, c'est bien. C'est bien. Il y en a plein en plus qui ont prouvé comme ça. Maintenant, on peut dans la loi, ouais, ça, c'est une preuve. Ouais. Bah, en Russie, je crois, ils sont obligés de. Ouais. Parce qu'il y en a qui se jettent sous les voitures pour toucher l'assurance. Ouais. Bonne journée.